Les animaux doivent être considérés comme des êtres vivants et sensibles, car c'est le cas. Salut ta voix, je m'appelle Lucas, j'ai 15 ans, j'habite à Elfo près de Saint-Omer et je suis référent local du campus animaliste dans le Pas-de-Calais. Le campus animaliste, c'est l'association de jeunesse donc du parti animaliste. Le Parti Animaliste est un parti politique qui est transpartisan et monothématique. Le Parti Animaliste n'est ni de gauche, ni de droite, et ni du centre. La cause animale est vraiment au cœur du Parti Animaliste. J'ai rejoint le Parti Animaliste en 2022 lors d'une action contre les combats de coqs, car j'ai moi-même adopté Onyx, un coq combattant liégeois, que j'ai recueilli via la SPA de Saint-Omer. Il était destiné aux combats de coqs. Je l'ai gardé chez moi, j'ai réussi à le sociabiliser avec les autres coqs et maintenant il vit en toute tranquillité avec ses congénères sans se battre. Et on est là à chaque fois qu'il y a des combats de coqs à Saint-Martin-aux-Lard, à Elfo. Donc j'étais engagé au club jeune de la SPA de Saint-Omer. J'ai connu le parti animaliste via l'encadrante du club jeune qui connaissait, elle, la responsable du parti animaliste, donc Laura Vendôme, la responsable du Pas-de-Calais. Et ensuite, en étant au parti animaliste, j'ai également rejoint le campus animaliste. Je l'ai rejoint cette année en mars 2024. Donc je suis engagé dans le parti animaliste car la cause animale, c'est une cause qui me touche. Les animaux doivent être considérés comme des êtres vivants et sensibles, car c'est le cas. Comme par exemple, les coqs ne sont pas d'instinct bagarreur, c'est dans les conditions dans lesquelles ils sont élevés qui font qu'ils deviennent agressifs. Et j'aimerais également plus tard continuer ma voie dans les animaux et devenir vétérinaire. Donc on essaye un maximum de sensibiliser les jeunes entre 15 et 29 ans à la cause animale. Donc comme par exemple, nous organisons un rassemblement le samedi 5 octobre de 14h30 à 16h30 sur la place Foch de Saint-Omer. Si toi aussi tu es sensible à la cause animale, n'hésite pas à venir me rencontrer.